question. Que s'est-il passé dans l'actu ces dernières 24 heures? On remet les pendules à l'heure avec l'horloge d'actualité de Leslie Benzaken. Dans l'horloge d'actualité ce matin à 7h, en ouvrant les yeux, on en a pris plein les mirettes sur Internet. En Allemagne, dans cette maison, un couple s'est, comment dire, lâché sur la déco de Noël. Toilettes comprises. En tout, une centaine de sapins et des milliers de gadgets allumés. Non-stop, une initiative pas très COP22. D'ailleurs, à 9h30, sur le site de France Info, on apprend que les rennes maigrissent à cause du réchauffement climatique. Il neige moins, mais il pleut plus, et avec le froid, ça fait du verglas, ce qui les empêche de brouter ça. Le super lichen, celui qui leur permet de voler. Résultat, ils fondent comme neige au soleil. À 10h, on apprend que Jean-Pierre Elkabbach, la voix historique d'Europe 1, ne présentera plus l'interview politique du matin. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? De mauvaises audiences, et à 79 ans, il était peut-être temps de raccrocher. Viré à 2 semaines de Noël, il a de quoi avoir les boules. L'horloge s'arrête une dernière fois à 16h, l'heure de prendre des nouvelles de Michel Polnareff. La semaine dernière, il annulait 2 concerts. On le disait, entre la vie et la mort. Sur Facebook, il a remercié son médecin. Merci de m'avoir donné la possibilité de revenir. Était-il vraiment malade? Certains parlent d'une grosse cuite, d'autres d'embolie pulmonaire. Enfin, que les fans se rassurent, le chanteur devrait passer Noël. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et n'oubliez pas, quand l'actualité vous échappe, l'horloge d'actualité la rattrape.